En or, en dollars, Picsou. Salut à tous les amis, c'est LetCode, j'espère que vous allez bien. Vous avez reconnu le thème principal de DuckTales Remastered. On va le faire en français. Donc découverte de ce remake de la version NES, qui était sorti, l'un des grands classiques de la NES, avec Super Mario Bros 3, avec Castlevania, donc voilà. Franchement, le remix il est énorme, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est énorme. Moi je voulais chanter derrière, franchement je voulais chanter, je savais pas si le thème était à l'écran titre, sinon je me serais lancé. Voilà, 1989, vous avez vu depuis quand date le dernier DuckTales. Donc Capcom a eu pour une fois la bonne idée de sortir un super jeu qu'on a beaucoup aimé, même moi j'ai connu quand j'étais jeune, mais assez difficile un peu pour moi, parce que vu que je crois que la langue était l'anglais, et moi l'anglais ça fait 40, hein. Ça fait même pas 2, ça fait 40. Donc un jeu édité par Capcom bien sûr, comme à l'époque, et développé par Way Forward Technologies. Voilà, un jeu de plateforme bien sûr, déconseillé au moins de 7 ans. Disponible sur le PSN, sur le Xbox Live, sur la Wii U, sur le eShop et sur Steam, sur le PC. Voilà pour DuckTales. Allez, c'est parti, on va appuyer sur Star. Donc là on peut voir l'oncle Picsou en train de courir. En tout cas le remix, c'est avec des sonorités chiptune. Donc ça c'est plutôt pas mal, on reste dans l'esprit rétro. Alors, pogo manuel, vibration en matouille. D'accord. Ok, d'accord, bon. Extra, c'est quoi extra? Temps de jeu. Ah d'accord, ah c'est bien ça. Il nous lise le temps de jeu qu'on a effectué. C'est bien. Galerie, les classements, bon, c'est classique. Allez, c'est parti. Je vais mettre en moyen quand même. Et si une cinématique, bah je me tais. Cuss me, Hiltz. Me money bin alarm. Quick, Duckworth, get the limo. I shall get her in gear, sir. Hurry, Duckworth, hurry! The pedal is to the middle, Mr. McDuck. Oh, not the Beagle Boys again. If they think they can stand between Scrooge McDuck and his 3 cubic acres of cash, they've got another thing coming. Eh ouais. Allez, c'est bon, on est de retour in-game. D'accord, donc c'est ça le célèbre coup, vous voyez, quand il saute avec sa canne comme ça, on reste appuyé sur rond, et on choisit sa direction. Attendez, avec le... Ah, d'accord, bon, d'abord. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 touches, ok. Alors on y va. Donc vous avez vu, hein, l'oncle Picsou comment dire, il est très avare, hein, et il a pas envie de qu'on lui pointe son or. Hop, allez. Donc les raptous, c'est les plus grands ennemis de l'oncle Picsou. Donc on les retrouve, ah bah voilà, Riri, Fifi et Loulou. Voilà, celle-là c'est Riri. Il y a aussi Flagard John, l'aviateur complètement fou, qui sait même pas atterrir, je pense. Un peu un style Indiana Jones dans l'esprit. N'est-ce pas, oncle Picsou? Alors, ok. Un saut pogo. Ok. Ça, c'est ça. On retrouve ça depuis l'épisode NES. Bah, d'ailleurs, ceux qui ont fait l'épisode NES, les amis, ceux qui regardent la vidéo, dites-moi si franchement ça reste dans le même esprit que sur la version NES. Je sais que c'est un jeu qui a fait beaucoup de buzz, et quand il a été annoncé par Capcom, je sais que beaucoup de gens ont apprécié. Ont apprécié que Capcom sorte enfin un remake de ce jeu. Je crois que le bruit de son saut là, son saut pogo, il est resté fidèle, hein. Je sais que l'oncle Picsou n'était pas bleu comme ça, parce que je crois que la NES ne pouvait, enfin je crois que la NES pouvait pas afficher plus de, attendez, voilà. Ne pouvait pas afficher plusieurs couleurs en même temps sur un personnage. Ah d'accord, ok. Donc il va falloir être précis. Voilà. Avec sa canne. En tout cas c'est très précis, hein. Alors, il est Picsou, j'ai failli dire Donald. Alors, marcher jusqu'à un objet et maintenez en avant. D'accord. En tout cas c'est très précis, hein. C'est pas c'est très jouable. Le gameplay le gameplay est plutôt simple et bon. Par contre je sais pas si je vais faire une vidéo d'une demi-heure, faut pas déconner non plus. Enfin, je sais pas, on verra. En tout cas c'est vraiment beau, hein. Déjà graphiquement il y a vraiment un dessin animé. Ils ont gardé les voix américaines. Ah oui d'accord, fallait actionner d'abord le... Oh là. Il est venu directement sur moi. D'accord. Donc il y a aussi d'autres jeux, hein, dans l'esprit Disney, aussi dans l'univers Picsou. On a bien sûr Quackshot avec... comment il s'appelle déjà, bah Donald. Oh, je crois que c'est Donald. Et... utiliser le swing de canne pour envoyer les rochers ronds. Ouais, faut juste avancer. Donc il faut faire attention à ne pas me faire écraser par mon propre système de sécurité. Bah oui, parce que là on est dans la forteresse de l'oncle Picsou. Ah, j'ai recruté 194 000 $, vous avez vu, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé ce jeu. Par contre, comment je peux faire pour... Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Alors là, je veux bien savoir comment je fais pour ouvrir ce... Ouais, bon, c'est pas grave. Attendez. Ah, je crois que j'ai fait le con. Je crois que j'ai fait le con, les amis. Je peux le mettre là-bas ou pas? Non, je peux plus. C'est bon. Bon bah tant pis. Voilà, 200 000 $. 208 000 $. Ouf. Oh, j'ai failli me prendre un coup de maillet. Aïe. Bon, c'est pas grave. Ok. Dépêche-toi que le Picsou, il dirige vers ton bureau. La gonflette, ça va. Ouh, d'accord, ok. Donc, il va falloir que je sois très précis. Attendez les amis. What are you waiting for, the duck? Voilà, c'est bon. Et voilà. Un coup de maillet pour toi, la gonflette. Donc ouais, Quackshot, qui était un grand classique, super jeu, hein, franchement. Mais ouais, malheureusement, il fallait maîtriser aussi la langue de Shakespeare pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire. Oh merde, mais qu'est-ce que... Ah bah, je suis con, moi. Putain. Il me reste plus que... deux cœurs. Bon, autant vous dire que ça va pas être facile. Et voilà. Peut-être la fin du stage. Donc le jeu est vendu aux alentours de 15 €, 15 $. Donc ça va. Un petit peu cher. Mais c'est vrai que le remake est plutôt bon. Ah, il a mis son casque pour pas que je lui saute dessus. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc lui c'est Arsène, mon majordome. Putain, il a failli me... Merde. Ah voilà. Donc un mini-boss. Oh non! Quel con. Bien joué. Bien joué. Donc il me reste 2 vies. Allez, je saute dessus. Donc je sais pas si le premier coup a été, putain, a été comptabilisé. Voilà. Là on est dans mon bureau avec le gros coffre-fort. Attention. Là. Voilà. Tac. Oh putain, bien joué. Ah, je l'ai pas vu venir. Voilà, c'est bon. Donc le checkpoint et sauvegarde en cours. La science rap... Bosser malin, bosser moins. Même le slogan de Sarkozy, il est même dans DuckTales, ses amis. Oh, du oui, parce que Picsou, c'est un... Comment dire? Il aime beaucoup l'argent. Il aime beaucoup l'argent et... Il est même obsédé par l'argent. Il veut toujours gagner plus. S'il peut gagner beaucoup plus, bah, il va pas s'en priver. Et un petit peu avare sur les bords. Hein. Il n'aime pas trop donner de l'argent ou prêter de l'argent. Mais c'est pas un mauvais, il est pas mauvais, oncle Picsou. Donc là vous voyez un Riri, Fifi et Loulou. Voilà, Transylvanie, donc il y a aussi il y a différents mondes. Très différents les uns des autres. Par exemple, on a pu voir aujourd'hui, à l'heure où je vous fais la vidéo, The Moon, la lune, assez bien fait, franchement, avec un thème très comment dire, très sympa, qui colle bien, à l'univers. Donc voilà, pourquoi pas. Et en plus, je sais que la version collector, parce que je crois qu'il y a une version collector où non, c'est la version kit presse. Elle était juste magnifique, quoi. La version kit presse était juste magnifique. Voilà, quoi. Bah, d'ailleurs, la lune. On peut choisir. Ce qui est pas mal, ce que je viens de remarquer, c'est qu'on peut choisir son niveau. Donc on a l'Amazone, la Transylvanie, les mines africaines, l'Himalaya et la Lune. Les mines africaines, c'est pas mal aussi, hein, parce que je crois qu'il y a un... Comment dire, on peut... Il y a des wagonnets, je crois, comme un peu comme un Donkey Kong. Qu'est-ce que je vous propose, les amis? Qu'est-ce qu'on va faire? J'hésite entre les mines africaines et la Lune. Qu'est-ce que je vous fous? Bon, on va faire la Lune. Voilà. Voulez-vous aller vers la Lune? Oui. Donc ça c'est pas mal, ça casse un peu cette, ce côté scripté, ce côté linéaire. Bon, même si c'est un jeu de plateforme à scrolling horizontal. En tout cas c'est assez sympa. Hein. Assez sympa ce DuckTales qui j'espère vous plaît aussi, les amis. En tout cas je compte peut-être le finir ce jeu. Donc après après ce stage là, bon je vais pas aller jusqu'au boss, enfin, sauf si c'est un stage super court. On va jouer un petit peu, après je vais vous dire mon ressenti entre guillemets, pas final mais... En tout cas par contre je ne sais pas si c'est la voix de Picsou originale, la voix US de Picsou. Why, that's Oxy-Chew, Mr. McDuck. It's my latest invention, oxygen-flavored taffy. En tout cas, moi, je m'en rappelle, je regardais beaucoup la bande à Picsou quand j'étais jeune. Je connaissais le générique par cœur. On veut tous rentrer dans la bande à Picsou. Wouhou. Ah ouais, ça c'est un générique qui vous colle, enfin qui se creuse dans votre mémoire. Bon, il y a moyen de couper. Bon, ouais, on va passer à la cinématique. Vous êtes bien mignons les amis. Allez. Voilà, t'es mort. Voilà. T'es mort aussi. Voilà. En tout cas, c'est très très précis. Oh putain, je sais pas ce que j'ai pris là. Ah, voilà. Ah, malheureusement. Ah putain. Attends, merde. Putain. Attendez. Hop. Voilà. Comme ça qu'il faut peut-être. Pas peut-être. Putain, je fais n'importe quoi. Là c'est de ma faute, c'est pas le jeu qui est mal programmé ou quoi, c'est moi qui fais n'importe quoi. C'est bon, j'ai récupéré un cœur. Voilà, toi tu prends ça. Voilà. Mettre un peu de son, je vais vous laisser écouter la bande musicale. Well, I guess this means I'm invited on board. Non! Oh le fail! Oh le fail! Oh là. Voilà. En tout cas franchement, graphiquement, c'est du tout bon. Hein. Pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, putain, de des graphismes quoi. Si vous trouvez ça joli, les thèmes jolis ou pas, si vous comptez vous l'acheter. Ah c'est bon, enfin. Attention à lui là, sur la droite. Ouh oui d'accord, ok, faudra pas trop utiliser le pongo, le sopongo. Attends. Aïe, ah oui, d'accord. je vois. Donc il faudra l'utiliser et des fois ne pas l'utiliser. Aïe, ouais, je viens de le faire. Des fois il faudra arrêter le saut. Par contre là, voilà. Pas que... Merde. Ah, la hitbox là elle est un peu capricieuse. Hein. On a un kill ta frange. donc là il n'y a rien. Si, ah bah si. Gros diamant, un gros bijou. Voilà. Attention. Ah, il est prisonnier lui. Comment ça se fait? On dirait un peu les sas dans Alien. Je crois qu'on va s'arrêter là les amis, 20 minutes de vidéo c'est déjà pas mal. On va pas vous faire quand même tout le stage. Ah je crois que c'est pas lui Gérard, enfin je crois que c'est lui le super robotique là. Ça, oh, ça, je fais un bond de nostalgie vers l'arrière, c'est un truc de malade quoi. Je me rappelle encore de ça. D'accord, donc maintenant il y a on est en apesanteur maintenant. On dégrade. Oh, je trouve que la voix anglaise n'est pas terrible. Elle colle pas vraiment à Picsou. Bon, après c'est vrai que moi j'aime beaucoup la voix FR qui colle vraiment bien, moi je trouve, après peut-être que je... Gérard Manto. Bon, on va s'arrêter là. Ou pas. Je sais pas. Bon, on va continuer encore un petit peu. On a des fous dans nos têtes. Merde. Alors. Par contre il me reste... Oh putain il me reste plus une seule vie. Je suis dans la merde. Je suis clairement dans la merde les amis. Enfin, si je pouvais avoir... Merde. Voilà. Là faut pas sauter, faut pas faire n'importe quoi. Hop, hop. Un gâteau, ah d'accord, bah donc le gâteau ça nous régénère toute notre vie, bah c'est bien ça. Très content. Par contre, eh merde. Bon. Attendez. Voilà. Ouais donc comme je disais tout à l'heure, le kit presse était juste magnifique, mais franchement, hein, il était magnifique. Ah, un petit passage secret. Il y avait la comment dire la cartouche NES dorée de DuckTales. Je crois qu'il y avait aussi la bande originale en cassette. Merde, cassette audio je crois si je dis pas de conneries. Ça franchement c'était du collecteur de ouf quoi, parce que franchement il y avait une boîte métallique je crois aussi. Franchement si vous pouvez la trouver, essayez de taper kit press de DuckTales remasterisé. Vous allez Merde. Eux ils m'énervent parce qu'ils s'arrêtent, ils anticipent vos mouvements. Ça c'était bien joué. Voilà, il m'énerve. Je crois qu'il vient à l'infini. Hein. Voilà, ça c'est bien joué. Voilà, j'ai récupéré un cœur. Et par contre, apparemment, ça n'a pas l'air d'être... Ouf. Non, alors, je voulais essayer un truc. Je voulais essayer si on pouvait les taper. Apparemment, on peut que les tuer avec le saut Pogo. Donc là, il va falloir être très... précis. Merde, et voilà. Là faut vraiment viser bien la pointe. J'ai récupéré peut-être la roue de robotique. Bon allez les amis, on s'arrête là. Voilà, ça on s'arrête là. Je vais pas vous spoiler un peu plus. Donc franchement, bon petit jeu ce DuckTales. On est vraiment dans l'esprit. Dans l'esprit Disney, l'esprit Picsou. Voilà, ça colle vraiment, c'est un vrai hommage En plus, regardez Picsou qui nous dit bonjour. Donc un vrai hommage à l'œuvre qui était sortie en 89 sur Nintendo, sur la NES. Franchement, voilà. Moi, franchement, si vous avez 15 €, si 15 € ne vous fait pas froid dans le froid aux yeux, voilà, je vais y arriver. C'est un jeu que je peux que vous conseiller. Voilà, je peux que vous conseiller. On retrouve tous les mécanismes d'un jeu de plateforme 8 bits ou 16 bits comme vous voulez. Et voilà. Donc moi les amis, je vous laisse. Portez-vous bien, jouez bien. Et à la prochaine. Ciao ciao.